Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue après ma semaine de vacances. Je suis content de vous revoir. Hola a todos, bienvenidos. Después de mi semana de vacaciones, estoy contento de volver a verlos. Espero que les haya ido muy bien, que hayan aprendido mucho. Bonjour Brenda. Allez, allez, bonjour, bonjour. Comment ça va, Brenda? Bonjour, Hugo. Bonjour, Anna. Bonjour, Maléha. Bonjour, Cindy. Donc, bonjour. Alors, aujourd'hui, à 2 semaines de la fin des cours. Ah là 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 là. Bonjour Patricia. Donc, comme d'habitude, Alejandra et moi, et des fois Arthur est avec nous. Bonjour Patricia, bonjour Laura, bonjour Hector. Donc, comme d'habitude, notre adresse du blog cursodefrancese-cneu.blogspot.com. Et le Moodle linkedin.fr/français. Aujourd'hui, c'est la séance 42. On est à 2 semaines de la fin. C'est en fin décembre. On est la semaine 22 sur 24. Et comme d'habitude, mardi c'est Alejandra, jeudi c'est moi. Bonjour Rosalvira. Recuerden que los cursos quedan grabados, así que si son nuevos en este curso, sí, ya vamos a terminar, estamos a 2 semanas del fin, pero todos los cursos están grabados. Y recuerden que pueden ir a nuestro blog o a nuestra página Moodle, y ahí pueden ver el resto de cursos. Así que no se han perdido de todo el curso, pueden volverlo a ver. Lo que pierden es la interacción que tenemos en el chat. Donc, comme d'habitude, nos partenaires, l'association LinkAid, qui aide des Colombiens et des Latinos à Paris et en France aussi, un peu plus moins en France, mais en Île-de-France surtout. Recuerden que LinkAid les aide à muchos compatriotas nuestros y que algunos otros hermanos latinos y que Colombia nos une, que es el programa de la Cancillería para los que estamos en el extranjero. Recuerden que es muy importante inscribirse en la página de Colombia nos une y en el portal único para cosas como, por ejemplo, inscribir la cédula. Recuerden que pueden inscribir la cédula los que están en París y eso les sirve para votar. Bueno, no se olviden de ese compromiso el año próximo. Ok, donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? On va commencer par une révision et on va revoir un peu. OK? Vamos a revisar un poco y vamos a aprender un poco. Esto ya saben un poco, pero la idea es como revisar. Y on va parler du système éducatif français et colombien. OK. Donc, rappel. L'interrogation pour poser des questions. Recuerden que para hacer preguntas en francés hay tres estrategias principales. ¿Okay? Bonjour Carlos Mauricio. Donc, la première, c'est l'intonation. Comme en espagnol, en français, vous pouvez poser une question en utilisant l'intonation. OK? Vous pouvez lister des différences entre les systèmes scolaires français et le colombien. L'intonation vient à la fin. Recuerden que l'intonation vient al final y lo que marca es oralmente la marca de la pregunta. Sujet, verbe, complément, s'il y en a. Plus la question et la voix monte. Vous pouvez lister ta colombien? Ça, c'est la façon sonore de marquer une question. OK? Ça, c'est la façon, disons, non standard en français.
En el francés, aunque es la forma más fácil para nosotros, no la forma más estándar. ¿Ok? Il existe l'inversion sujet-verbe. Ça, c'est très caractéristique du français. Connaissez-vous les différences entre le système scolaire français et le colombien? Connaissez-vous, vous connaissez. Vous voyez? Pourquoi c'est une forme, une marque d'interrogation? Parce que la forme standard, c'est vous connaissez. La forme, si on fait l'inversion, on signifie qu'il y a un changement. Recuerden que la forma estándar de una frase es sujeto-verbo y eso es una afirmación. Cuando en francés ustedes hacen ese cambio de sujeto y verbo de lugar, lo que hacen es decirle a la persona, vean, ojo. Eso es sintácticamente. Ojo, yo cambié el orden de las palabras, por eso digo sintáctico, la sintaxis es el orden de las palabras. Yo cambié el orden, lo que significa que esto es una pregunta. ¿Ok? En francés, en plus, il y a la entonación. Solo que en francés, no solamente esa inversión hace la pregunta, también es la entonación. ¿Ok? Esa es la segunda forma. Y finalmente, esa es la forma estándar del francés, c'est les mots interrogatifs. Si vous écoutez un mot interrogatif, vous savez que c'est une question. Quelle est la différence? Que le mot interrogatif, plus le sujet, plus le verbe, pardon, je me suis trompé, c'est sujet-verbe. Hein? Aquí es sujeto y verbo. Sino que haciendo copia y pegar, olvidé invertir esas dos. Es un mot interrogatif, sujet-verbe. Et à la différence des deux autres, la voix descend comme dans une affirmation. A diferencia de las dos otras formas, la voz desciende como si fuera una afirmación. Pero uno automáticamente sabe que es una pregunta porque hay un mot interrogativo, hay una palabra interrogativa. Ese que es, ese es que hace, todo eso hace que la gente sepa que es una pregunta. Ustedes pueden hacer la voix montante, pueden subir el tono para darle más fuerza a la pregunta, pero no es necesario, porque solamente usar ese modo interrogativo automáticamente los exenta, los exime de usar la voz que monta. ¿Ok? Aquí voy a hacer simplemente el cambio, porque esto es importante. Voilà. Ok, donc ça, c'est les trois façons de poser une question. Rappelez-vous qu'en français, le standard, c'est ça. Ça, c'est le standard, c'est le normal. Tout le monde va le poser comme ça. Ok? Si vous voulez monter un peu plus en style, classe, la classe. Vous utilisez l'inversion sujet-verbe. Ça, c'est la façon élégante de poser une question. OK? Ça, c'est pas très usuel, mais ce n'est pas incorrect. Vous voyez la différence? Esta no es incorrecta, pero no es usual. Este es usual solamente en el lenguaje soutenu, como más clase, con más clase. Y esta es la forma normal. Todo el mundo va a hacer preguntas de esta forma. ¿Ok? Ok, como dice Hugo, otras palabras interrogativas las voy a poner acá para darles más ejemplos de modo interrogativo. Oh, porque no quieren. Otros ejemplos de modo interrogativo. ¿Pourquoi? Où, qui, quand, vamos a ver si me acuerdo de los double-edged questions en inglés, la que me da la pista. ¿Por qué? ¿Cómo?
quoi, où, qui, quand, comment. Creo que son más o menos todas. Ojo, pueden hacer combinaciones. ¿Pourquoi connaissez-vous o pourquoi est-ce que vous connaissez? ¿Pourquoi est-ce que? Quoi vous. Voilà. Et, ou inversion. OK? Ça, c'est une autre façon de faire des questions. I think WH questions in how. Yo en inglés estoy. Estoy aquí, llevo ya 10 años en Francia y mi inglés de siempre. Alors. Ah, combien? Merci, Vilma. Quel est combien? Et merci, Marie. La famille de quel? Les pongo entre paréntesis porque son variaciones. ¿Y combien? Voilà. Où est-ce que? Qui est-ce? Quand est-ce que? Voilà. Très bien. Question de Marie. Quelle est la forme la plus polite, la plus polie en français? La plus polie, la plus élégante, c'est l'inversion. Si vous voulez faire d'une façon élégante, faites de l'inversion. Parce que l'inversion, comme c'est élégant, c'est poli. OK? Voilà. Donc maintenant, on va pratiquer. OK. Et je vais vous demander de faire des conversions. Alors, utilisez les indications données pour poser des questions, c'est-à-dire, vous étudiez quoi? Par exemple, là, c'est un mot interrogatif. Quoi? Ça va à la fin. Vous étudiez quoi? Aunque no está al inicio, como la palabra qua, uno sabe que qua, simplemente qua es una interrogación, ¿ok? No necesita la entonación. Ok, vous étudiez quoi? Qu'est-ce que vous étudiez? Alors, faites de la première en inversion. De la deuxième en est-ce que, et de la troisième avec intonation. Allez, je vous lis. Je vous lis. Los leo. Oui, je ne vous lis pas. Alors, vous êtes où? Vous êtes où? Ah, Rosa, très bien. Vous avez des diplômes? Rosa Elvira nous dit, avez-vous des diplômes? Attention, Rosa Elvira. Juste une question d'orthographie. Hein? C'est une question d'orthographe. Quand on fait l'inversion sujet-verbe, obligatoirement, il faut écrire un tiret. Ça, c'est de l'orthographe. OK? C'est très bien, Rosalvira, mais attention, tiret. Quand on fait l'inversion, siempre, c'est orthographié. Quelle est la raison? Ninguna. Comme muchas cosas de orthographie. Pero esta es, si hacen inversion sujet-verbe, tienen que poner tiret. Por eso es que en realidad es una inversión, porque normalmente es C apóstrofe E S T, la inversión de C
S. OK? Luz Marina, c'est bien. Attention au point d'interrogation, hein, Luz Marina. Attention al signo d'interrogation. En français, se llama el punto d'interrogation. Attention. OK. Alors, Hugo nous propose, êtes-vous disponible? Êtes-vous, oh là là, c'est très classe, mais plus normal, on dirait, plus normal de est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous êtes disponible? Suena a una afirmación, pero cuando usamos est-ce que, automáticamente sabemos que es una pregunta. Est-ce que vous êtes disponible? Uno diría, no me suena a pregunta. Est-ce que vous êtes disponible? Ahí sí suena a pregunta, pero como les dije, en francés, si tienen el est-ce que, automáticamente es una pregunta. Entonces, como hay una palabra que les da la opción y les dice, esto es una pregunta, forcément, forcément en question. Ojo, hay question, interrogación que empiezan con est-ce que o puede ser como la primera, vous étudiez quoi? Ese quoi solo puede ser una pregunta. Uno nunca dice quoi para afirmar cualquier cosa. Uno siempre dice que. Ese es el afirmativo de quoi. Aunque, si uno quiere hacer una pregunta con quoi, usándolo como pregunta, tiene que usar es. Es que. Ok. Troisième. ¿Es que vous parlez anglais? ¿Es que vous parlez anglais? Ojo, Ana. Tipo Ana. Ojo. Cuando uno dice es, corresponde a est y s, corresponde a ce. Ojo. Cuando uno dice es que, es que, entonces si quieres, cuando escuches es, significa que están estas dos palabras juntas. Una tiene el sonido e. Tres letras para el sonido E. Y estas son una consonante y una vocal que dan el sonido S. Es que. ¿Ok? Hugo nos dice: ¿Vous parlez anglais? ¿Vous parlez anglais? Atención, obligatoire. Entonación, parce que vous parlez anglais et vous parlez anglais. Ce n'est pas la même chose. Ojo, no es la misma cosa la entonación de vous parlez anglais. Eso es una afirmación. ¿Vous parlez anglais? Eso es una pregunta. Porque si escuchan el sonido monta al final, anglais, anglais. ¿Ok? Ok. Ojo, Ana. Cuando digo entonación, normalmente es la misma frase que la afirmación, pero con la anglais que monta, ¿ok? Que sube. Yo me confundo mucho con montar y subir, porque en francés es montar y en español es subir. Ok. Donc, si c'est intonation, tu as en partie raison, Ana. Tu as en partie raison. Tienes razón en parte porque puedes no, y debes usar la entonación cuando usas la inversión. ¿Ok? Pero cuando uno dice inversión, está hablando de la inversión como tal. Y cuando dice entonación, cuando no hay una especificación, es la forma afirmativa, ponle una subida de tono. ¿Ok? Bon, je vais rapidement parce que ça passe rapidement le temps.
Ok. Vous connaissez l'informatique? Comment je pose cette question en inversion? Vous connaissez l'informatique? Hola Alex, veo que acabas de llegar. Como decía al inicio, todas las clases están grabadas, todas. Ya vamos a acabar en 2 semanas, pero desde el inicio están grabadas en Colombia Nos Une, en la misma página del consulado. Y tenemos una página en Blogspot y tenemos una página Moodle en donde están todos. Más tarde puedes verlo, al final siempre lo decimos, ¿ok? Donc, Ana. Et Hugo, connaissez-vous l'informatique? Connaissez-vous l'informatique? Connaissez-vous l'informatique? Anna, très 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 bien, Anna. Hugo et Rosa, très bien, mais attention à l'orthographe. Connaissez-vous avec le tiret? Bien comme écrivait Anna, con un tiret. Es ortografía, les dije. OK? Connaissez-vous l'informatique? Ok, 5. Yo sé, Rosa, aprender que hay que poner la rayita aunque uno no la escucha, eso es complicado. Y al principio es muy derrotante, es muy perturbante, pero uno se acostumbra. Luz Marina, bien avec le tiret. Attention au point d'interrogation, hein? Vous avez étudié le management? Los Leo. Vous avez étudié le management? Ah, très bien Hugo, très bien Claudia. Est-ce que vous avez étudié le management? Ojo, recuerden de nuevo, como usamos es que, la entonación no es obligatoria. No quiero decir que no puedan usarla, pueden usarla, pero no es obligatoria. Y generalmente los franceses no la usan. En este caso, cuando hacen preguntas con es que, es tan, 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 tan marcado en su cabeza que es una pregunta que ni siquiera hacen la entonación. ¿Ok? Es que vous avez étudié le management? Et finalement, est-ce que vous êtes bilingue? Comment je fais l'inversion? Comment je fais l'inversion finalement? Ah! Êtes-vous bilingue? Êtes-vous très bien Hugo avec le tiret. Ojo, Luz Marina, cuando yo digo inversión solita la inversión es poner primero el verbo. Tiré luego el sujeto y luego el complemento. ¿Ok? Estricto sensus, en sentido estricto, Luz Marina, tiene razón. Es una forma de inversión, pero es más como mot interrogatif. Se usa más en la categoría de mot interrogatif. ¿Ok? Ah, Luz Marina, apenas veo que era la pregunta anterior, por eso te hice la remarca de es que, pero veo que sí la hiciste bien. Ojo con el tiré, ¿eh? Tiré. Ok, très bien, et très bien, Rosa Elvira. Point d'interrogation à la fin, ¿eh? Ok, très bien. Donc, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 2 décembre.
2 décembre 2021. On va voir les parcours de formation. On va voir rapidement, hein, très rapidement, en CV. Et on va voir les études et les stages. Rapidement aussi. OK? Donc, on va continuer un peu le thème de la classe dernière où Alejandra avait commencé à vous montrer le système scolaire français. Okay, vamos a ver un poco más del sistema escolar. Ustedes vieron cómo está el liceo. Y hoy les voy a hablar de una cosa que todos los que vivimos en Europa conocemos, no solo los franceses, es el sistema LMD. ¿Ok? Donc, ma formation, mon profil, vraiment. On va parler aujourd'hui des profils professionnels à partir de la formation. Donc, ici, nous allons voir la présentation de l'Université de Bordeaux. Okay? L'Université de Bordeaux a fait une vidéo promotionnelle pour parler de l'université. Hein? C'est la promotion. Okay? Donc, nous allons regarder la vidéo. Vamos a ver la vidéo de la Universidad de Burdeos. Por ahí en español se dice Burdeos, que en francés se dice Bordeaux. Y vamos a ver que ellos muestran un poco la universidad. ¿Okay? On va voir, vous allez me dire qui apparaît à l'écran. ¿Ok? Ojo, no quiero nombres, quiero personas. O sea, esta persona es, esta persona es. No, esta persona se llama porque. Voilà. Donc, qui apparaît à l'écran? Apparaître, apparition. ¿Ok? C'est la conjugaison du verbe apparaître dont le nom est apparition. Le substantif est apparition, le verbe est apparaître et la conjugaison est apparaît. Qui apparaît à l'écran? Rappelez-vous, l'écran est la pantalla. Hein? Quelle est la relation entre l'université et la recherche? La recherche scientifique. Ok, ça veut dire la recherche scientifique. Et quelle est la caractéristique d'un étudiant? Dites-moi, quelle est la caractéristique d'un étudiant? Ok? Vous allez me dire si vous entendez. Me dicen si escuchan. Hein? Voy a estar pendiente del chat. Así que me dicen si lo escuchan. Que no pase como en la clase con Alejandra, que no escuchaban y no decían nada. Ok. On y va. Accompagner des étudiants vers la réussite, c'est à la fois leur proposer un cadre de formation qui leur permette de développer leur projet et évidemment leur donner les clés de tout ça. Donc ça passe à la fois par un travail de fond de rénovation de la formation et sur le développement d'un ensemble de dispositifs, donc également le développement de compétences pour être capable d'accompagner les étudiants dans la construction de leur projet. Ce sont tous des enseignants-chercheurs ou bien des professionnels. Moi, je suis partenaire de l'Université de Bordeaux depuis que je l'ai quittée. Je suis toujours restée en contact avec l'université en étant très rapidement intervenante. Et on a créé un diplôme qui a eu tout de suite une habilitation de licence pro, qui est un diplôme en alternance qui vise à former les futurs commerciaux spécifiquement pour les entreprises du numérique. Ce qui fait la spécificité de la formation universitaire, c'est cet ancrage fort dans la recherche. Les jeunes que l'on recrute qui sont issus de l'université ont été formés par des enseignants qui sont également chercheurs. Donc il y a une dimension qui est très intéressante dans nos métiers sur la compréhension de ce qu'est l'innovation. ~70% des emplois qui sont les emplois majeurs dans 10 ou 15 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc on voit bien que le rôle de l'université, c'est aussi de former les étudiants, qui est une capacité d'adaptation, d'évolution, qui développe des compétences en matière de créativité. Ce qu'on attend sur les jeunes issus de l'université, c'est une certaine ouverture et une certaine culture générale et une capacité à être pluridisciplinaire. Et le véritable enjeu aujourd'hui, c'est d'ouvrir nos formations,
permettre à nos étudiants de développer des aptitudes dans des disciplines qui sont frontières de leurs frontières, voire très complémentaires. Pour mon entrée dans la vie active, oui, je me sens bien préparée. C'est très polyvalent, en fait, les débouchés qu'on a après ce master. On a cadre technico-commercial ou qualité commerciale ou dans la R&D ou d'affaires, gestion de projet. On reste jamais dans le même métier. On peut changer assez souvent et c'est passionnant. Ok. Yo sé que no es fácil. Yo sé que hablan muy rápido. Yo lo sé. Pero esa no es la pregunta. Yo no les pregunto que me digan qué dijeron. Bueno, sí, un poquito, pero no todo. Hay unas cosas que se pueden suponer. ¿Qué aparece al écran? Dites-moi quel type de personne aparece à l'écran. Díganme qué personas aparecen al écran. Par exemple, Andrea nous dit une étudiante. Attention, une étudiante. Voy a poner un poquito aquí respuesta. Lo voy a poner al ladito y luego las cuadro bien. Donc, une étudiante. Attention. Une étudiante. Un professeur. Oui, c'est féminin, je sais. Mais le français. Aïe, aïe, aïe. El español es más inclusivo que el francés. El francés todavía es muy... Uno dice un profesor, incluso si es una mujer. Yo digo muy, muy latino y muy feminista, yo digo un profesor. Aunque el francés estándar no lo use tanto y aunque existe en el diccionario un profesor. Alors, il y a une étudiante, il y a un profesor... Ça ne diffère pas. C'est un professeur, une professeure. OK ? Et il y a le vice-président, ou le président, je ne me rappelle plus. Les étudiants. Vice-président de l'université. Et le vice-président de l'université. Le vice-président de l'université. En France, il n'y a pas de recteur, non, c'est des présidents. En français, les universités tienen presidente. La palabra presidente en Francia es muy usada. Por ejemplo, los consejos departamentales es un presidente. Y bueno, porque en Francia no existe la figura del gobernador, es un presidente de departamento, presidente de región, por ejemplo. Y como el gobernador es nombrado por el jefe del estado, que es una figura más, más estatal, que no es elegida. ¿Ok? Entonces, il y a une étudiante, un profesor, et le vice-président de l'université. ¿Ok? Ojo, regla. En francés, muchas palabras que empiezan con E, accent aigu, muchas palabras que empiezan con E tildada, en español son S. Por ejemplo, E, col, étable, un establo. ¿Qué más? Bueno, hay muchas palabras, no recuerdo, pero en español, cuando una palabra en francés empieza con E accent, es probable, ojo, probable que en español sea es. ¿Ok? Étudiante, estudiante. ¿Ok? Ok, très bien. Un profesor y el vicepresidente de la universidad. Est-ce que vous avez compris quelle est la relation entre l'université et la recherche? Est-ce que vous avez compris la relation entre l'université et la recherche?
Ojo, Vilma, esclavos con s. Es porque en español no podemos hacer las palabras con s inicial. Es porque en latín estas palabras eran con e, pero el caso de esclavo en latín era con s, no con e. Y viene de eslavo. Ok, ese es el pequeño problema del español que nosotros y del portugués. No podemos hacer s, como stad, por ejemplo, que es stad y no etad. Ok, ¿quelle es la relación entre l'université y la recherche? Dites-moi. Est-ce que vous avez compris ce qu'on re-regarde la vidéo? Est-ce qu'on re-regarde la vidéo? Bueno, vamos a ver el video de nuevo y van a decirme cuál es la relación entre la universidad y la recherche, la investigación. Vamos a verla toda. De formation qui leur permettent de développer leur projet et évidemment leur donner les clés de tout ça. Donc ça passe à la fois par un travail de fond de rénovation de la formation et sur le développement d'un ensemble de dispositifs, donc également le développement de compétences pour être capable d'accompagner les étudiants dans la construction de leur projet. Ce sont tous des enseignants-chercheurs ou bien des professionnels. Je suis partenaire de l'université de Bordeaux depuis que je l'ai quittée. Je suis toujours restée en contact avec l'université en étant très rapidement intervenante. Et on a créé un diplôme qui a eu tout de suite une habilitation de licence pro, qui est un diplôme en alternance qui vise à former les futurs commerciaux spécifiquement pour les entreprises du numérique. Ce qui fait la spécificité de la formation universitaire, c'est cet ancrage fort dans la recherche. Les jeunes que l'on recrute qui sont issus de l'université ont été formés par des enseignants qui sont également chercheurs. Donc il y a une dimension qui est très intéressante dans nos métiers sur la compréhension de ce qu'est l'innovation. Alors, quelle est la relation entre l'université et la recherche? Quelle est la relation entre l'université et la recherche? Dites-moi. Ah, il y a la présidente d'Aquitaine. Je ne sais pas ce que c'est, mais. Ah, Anna nous dit la compréhension sobre la innovation. Ojo. C'est la compréhension et, disons, l'innovation. Ok, la compréhension et l'innovation. Ahora que recuerdo, la QITEM es como la comunidad de l'apprentissage. Ok, très bien. Et quelle est la caractéristique d'un étudiant de l'Université de Bordeaux, hein? Recuerden que es una pieza publicitaria de la Universidad de Bordeaux. Alors. Soixante-dix% des emplois qui sont les emplois majeurs dans 10 ou 15 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc on voit bien que le rôle de l'université, c'est aussi de former les étudiants, qui est une capacité d'adaptation, d'évolution, qui développe des compétences en matière de créativité. Ce qu'on attend sur les jeunes issus de l'université, c'est une certaine ouverture et une certaine culture générale. Et une capacité à être pluridisciplinaire. Et le véritable enjeu aujourd'hui, c'est d'ouvrir nos formations, de permettre à nos étudiants de développer des aptitudes dans des disciplines qui sont frontières de leurs frontières. Il empieza a decir cosas muy complicadas ahí. Quelle est la caractéristique d'un étudiant selon l'Université de Bordeaux?
Dites-moi, la capacitation, formation, une discipline, c'est une discipline, c'est par exemple les mathématiques, c'est une discipline. Mais bon, je pense qu'ils disent être pluridisciplinaire. Être pluridisciplinaire. Le développement des capacités, oui. Très bien, Luz Marina. Alors, développement, comme en anglais, development, développement de capacités. Il y a, par exemple, comme dit Anna, les capacités créatives, donc la créativité. OK. Être pluridisciplinaire. OK. Donc, tout cela va permettre à un étudiant d'avancer, avancer dans sa carrière. Très bien. OK, bon, je vais vous parler un peu du système LMD. Qu'est-ce que le système LMD? LMD, c'est compliqué, mais en réalité, c'est très facile. LMD, c'est L... Ah non, c'est là. L, M, D. OK? C'est en France, comme dans beaucoup de pays de l'Union européenne, et au-delà de l'Union européenne, c'est au-delà de l'Union européenne, non, c'est seulement la Union européenne. C'est en Europe, surtout, mais non, c'est seulement la Union européenne. On suit le processus de Bologne. Processus de Bologne. Ojo que ese es el nombre que le dan al acuerdo en el que crearon como la armonización. Parce que le processus de Bologne cherche à harmoniser, en francés tiene una H, le français de Bologne cherche, le processus de Bologne cherche à harmoniser les systèmes nationaux d'éducation. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est le bordel. C'est très compliqué en France. Il existe des diplômes ici, diplômes là, un petit diplôme. En Europe, j'ai dit un niveau général en Europe, on reconnaît le système LMD pour licence, master et doctorat. Ok, en France, licence n'est pas une licenciatura comme en Colombie, pour le moins en Medellín, une licenciatura est pour être professeur. En Francia la licence es simplemente el pregrado. Así se le dice el pregrado. Une licence. OK. La licence s'obtient quand on finalise 3 ans d'études. OK? C'est pour ça qu'on dit L1, L2, L3. Cuando ustedes vean L 1 2 3, ese es el año de la licence. Licence 1. C'est première année de licence. Licence 2, c'est deuxième année de licence. Et licence 3, c'est troisième année de licence. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce important de voir ces numéros? Parce qu'il y a un système qui s'appelle VAE, del que les voy a hablar más tarde, qui les permet de saltarse años. Par exemple, je tengo un amigo qui vino de Colombia y que no tuvo que hacer los dos primeros años de licencia, porque con su experiencia, el VAE permite reconocer la experiencia, él se saltó el primer y segundo año y llegó directamente al tercer año. Eso se puede hacer en Francia, porque ellos reconocen mucho la experiencia. Puis, il y a Master 1, Master 2,
très important aussi. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a un master 2 et qu'on veut faire un autre master, on n'est pas obligé de faire 2 années de master. On peut arriver directement à la 2e année de master, un M2. Bon, les masters s'obtiennent au bout de 2 ans d'études. Donc, comme con la licence, en el master, uno también puede saltarse un año. O hacer solo un año del primer año y no hacer el segundo, o hacer solamente el segundo sin hacer el primero. ¿Por qué? Porque es por experiencia y también es por diplomas. Por ejemplo, si uno hace un segundo máster en un área afín del que ya tiene un máster, no necesita hacer el primer año. Sí, bueno, eso es con dossier y hay que enviar todo el dossier y ellos hacen un estudio, le dicen sí o no. Pero eso es posible. Entonces, uno puede saltarse directamente al M2. Y el doctorado se obtiene en general, y idealmente, yo digo idealmente porque de fois es complicado, au bout de 3 ans de recherche. Attention, quand on dit doctorat, forcément, on dit recherche. OK? Alors, attention, au bout de, c'est un synonyme de quand on finalise, à la fin de. Lo puse en rojo para que vean que son la misma frase. Quand on finalise et au bout de. Vous recordez que es como pedazo final. OK? Al cabo, literalmente es al cabo de. Ojo, donc, ça c'est le système LM2, qui peut être dans une université, ok, ça peut être dans une grande école, dans les grandes écoles, il y a des doctorats, mais c'est différent, ou dans une école spécialisée, école d'art, école d'architecture, ou d'autres types d'écoles, ok, depende del tipo, no todo se hace en la universidad. Ahorita vamos a ver, pero en Francia hay la universidad para muchas carreras y las escuelas para ciertas carreras específicas. ¿Ok? ¿Es que vous avez des questions? ¿Es que vous avez des questions? Non, c'est bon, pas de questions? Pas de questions? Ok. Donc, je vais vous donner quelques concepts clés des études. Pourquoi je vous donne ça? Parce que c'est du vocabulaire qu'on écoute à l'université ou dans la vie scolaire en France. Et en tant qu'hispanophone, on est perdu. On est totalement perdu. Donc, je vous donne quelques mots que moi, j'aurais aimé connaître quand je suis venu faire des études. Recuerden que yo vine a estudiar a Francia. Por eso vine a Francia. Y el primer año yo estaba perdido, totalmente perdido por ciertos conceptos que yo no conocía. Claro que los aprendí. Algunos los deduje sin saber exactamente lo que era. Algunos los aprendí para hoy. Aún sabiendo más o menos lo que era, sin saber qué significaba exactamente. Y voilà. Donc, il y a, pour les cours en amphi ou amphithéâtre, ok? Ou un cours magistral. C'est un cours avec beaucoup d'étudiants. C'est un grand, 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 grand cours en amphithéâtre. Qui dit amphithéâtre dit grand espace. Cuando uno dice anfiteatro, dice espacio gigantesco. ¿Y por qué un espacio gigantesco? Pues porque hay muchísima gente. ¿Por qué? Porque hay entre 50, un petit amphi, hein, y 300 estudiantes por curso. Eso es posible, eso depende de parcours universitario. Por ejemplo, en medicina, es normal, un amphi de 300 aprendientes. Es normal en medicina, por ejemplo. En mi carrera, que era ciencia del lenguaje, raramente teníamos amphi porque no éramos tantos.
Éramos tres grupos del primer año, dos grupos del segundo y, tres, y un grupo el tercero. Ante P ou ante D. Qu'est-ce qu'un TP ou un TD? TD, c'est travaux dirigés, et TP, c'est travaux pratiques, c'est des synonymes. Hein? C'est des synonymes, on peut dire TD ou TP. C'est un cours réduit, c'est un cours moins impersonnel. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 30 étudiants. Quand j'ai fait ma licence en France, j'étais toujours en TP. Rarement, j'étais en amphi. Rarement. J'avais quelques amphis, mais c'était rare. On était en TP ou TD. Normalement. Et c'est comme les groupes de... En Colombie, c'est très rare, je crois, parce que je suis en Antioquia. Et j'étudiais dans d'autres universités. Et c'était rare que nous ayons tant de gens. Même si me tocaron algunos amphis, ce n'était pas si commun. Ici, c'est très commun pour certaines carrières. Surtout les qui sont en tension. Por ejemplo, si ustedes son ingenieros de sistemas, es una filière, es un área en tensión. Y, por ejemplo, creo que es en el mundo hay 22.000 empleos que no hay suficientes personas para esos empleos. Telecomunicaciones, informática, ciberseguridad, no hay. Así que, se les oportunité, ¿no? Et DS, un DS, on me disait toujours, il est un DS, et moi j'étais comme, c'est quoi un DS? C'est un devoir surveillé. C'est quoi un devoir surveillé? Ben, c'est un examen quoi. Si on dit DS, c'est un examen, tout simplement. A veces también lo llaman devoir sur table, como tarea en la mesa. Es simplemente un examen, punto. ¿Es que vous avez des questions? No, pas de questions. Están muy calladitos hoy. Los hice dormir, ¿qué les hice? Pues están súper calladitos. Ok, Claudia, pas de questions. Ok, Ana. Du coup, c'est clair. Ah, pues eso lo haré después, le explicaré, tomo nota. Pero eso yo lo voy a explicar en la primera clase, ¿eh? Ça, c'est le, les accents. Ok. Ah, muy bien, Luz Marina, muy bien. Donc, d'autres concepts clés, les institutions, ça c'est très important. La fac, c'est l'université. Attention, la fac, c'est la façon informelle, familière de dire université. La fac de médecine, c'est l'université de médecine. Ok? C'est la forme courte de la faculté, mais en français on ne dit pas la faculté, on dit l'université, donc... Quand vous écoutez la parole « Ah, je vais à la fac », c'est littéralement « Je vais à l'université ». Ok? Les grandes écoles. Je vous disais, il y a les universités, il y a les grandes écoles. Les universités, c'est pour les filières générales. C'est très, très général. Mais, attention, si vous faites une ingénierie, si vous allez travailler dans le commerce, ou si vous allez travailler dans l'administration, la banque, etc. Si Marie fac est pour faculté, mais je n'ai jamais utilisé cette parole. Si vous allez faire ingénierie, commerce, administration, banque, etc., vous allez dans une grande école. Attention, dans les universités, maintenant, ça se développe. Antes, era la division era neta. Uno quería ir a esas áreas de ingeniería, comercio, administración, sobre todo comercio, no podía ir a la fac. No podía, simplemente.
Pourquoi? Parce qu'en France, si on voulait commerce, on devait aller à une grande école. Okay? Les écoles de commerce, qui sont les écoles de négociations. Carissimes. Maintenant, il y a des universités qui développent les UT, je crois que c'est ça. Non, c'est l'Institut universitaire technologique, non, c'est le CEA, je crois que ça s'appelle le CEA. Non, CEA, c'est le commissariat de l'énergie atomique. Son universidades que tienen unos institutos, l'IEC creo que se llama, Institut d'études commerciales creo que se llama, y son el equivalente de Grand École, pero de la universidad. Claro que en Francia es súper elitista, y si uno va a ese tipo de école d'économie, por ejemplo, tiene menos privilegios y tiene menos salario que si uno va a una grande école, porque grande école es buen salario, o sea, paga súper caro, pero es sinónimo de buen salario. ¿Ok? Par contre, pour les ingénieries, seulement les grandes écoles permettent d'obtenir un degré d'ingénieur. Seulement les grandes écoles. Ça ne change pas. Para las artes escénicas y para la cocina, les arts de la scène et la cuisine, sí, c'est des écoles, pero no son les grandes écoles. Ojo, porque hay école de cuisine, école d'art, pero no es les grandes écoles. Que les grandes écoles es ingeniería y comercio generalmente. Y la extinta ENA. École nationale d'administration, qui est donde se forma la élite de l'administration française, que l'éliminaron. Esos son solamente escuelas, las grandes escuelas. Ahora, las escuelas de cocina hay muchas y muy buenas, pero no son una grande école, son escuelas de cocina. ¿Ok? Et puis, il existe d'autres types d'organismes comme les CFA et les chambres de métiers. Ça, c'est un niveau. Les CFA, on peut trouver de CAP à master. Oh, OK. En France, después del bac, cuando les decía el 1, el 2, el 3, el sistema LMD. Si ustedes ven estos números, en Francia se mide mucho por eso y el grado de si tienen una licencia, si tienen un máster, si tienen un doctorado, se mide por el BAC plus. Por ejemplo, si dicen J'ai un BAC plus 3, es una forma de decir yo tengo una licencia. BAC plus 3 en, je sais pas, en commerce de proximité. Eso puede existir. Puede ser en una grande école, pero puede ser un BAC plus 3, que hizo solamente un año, es una especialización, que es un año. O j'ai un BAC plus 5, eso quiere decir que tiene un máster, BAC plus 5. O si tiene una super especialización, puede decir que es BAC plus 6. O si quieren decir que tienen un doctorado, pueden decir, ah, je suis BAC plus 8. Y esa es la forma de medir en Francia con un BAC plus. BAC BAC plus. ¿Ok? Ok, donc. Clara me pregunta, ¿con un bachillerato en Colombia se puede entrar a una universidad a estudiar para maestra de escuela directamente? No. Porque en Francia funciona diferente que en Colombia. En Francia, para ser profesor, uno que tiene que tener una licencia en algo. Por ejemplo, en lenguas, o en música, o en matemáticas, o en lo que quieras. Y luego tienes que pasar, porque para ser profesor es un máster. No es muy buena la formación, y lo digo con conocimiento de causa, y los franceses lo dicen, y el gobierno francés lo dice,
Porque el primer año es preparar el concours. El primer año de máster para ser profesor es preparar el concours. ¿Por qué en Francia todo se hace por concurso? Ahorita les explico, les explico de una vez. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno está en una grande école, generalmente lo que hace es que uno termina el bac y entra a una prepa. Un prepa es una escuela que hace 2 años de preparación para ir a una grande école. Por ejemplo, para los ingenieros, para los que quieren ir a la École de Commerce. ¿Qué hacen en esos 2 años? Eso es un Bac plus 2. Y está aquí, justo aquí. Es lo que hacen es prepararlos y los preparan como militares y eso los llenan y llenan y llenan y llenan de conocimiento, a veces inútilmente, pero los llenan de conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí, ojo, que estoy hablando de Grandes Écoles, no estoy hablando de la FAC porque la FAC funciona diferente. Tienen que pasar a un concurso. Si no presentan el concurso, si no pasan el concurso, no pueden integrar la Grande École, entonces no pueden seguir. Y cuando uno dice que va a una Grande École y que hace un diploma de Grande École, lo que está diciendo es que está preparándose un máster que dura 3 años, es un Bac plus 5, pero antes de eso, normalmente hizo una prepa. Normalmente, no es la única forma, porque uno puede estar en la universidad y puede hacer una cosa que se llama passerelle, que le permite a uno pasar a la grande école, pero es complicado. ¿Bélgica funciona igual? No sé, Ana, no sé si funciona igual Bélgica. No conozco el sistema, por lo menos de las grandes écoles. El MD sí, el MD es el mismo en Bélgica, en Francia, en España, en Italia, etc. Pero esto que les estoy diciendo de prepa, grande école, no sé si funciona en Bélgica. ¿Ok? Entonces, como les decía, aquí hay concurso para todo. El BAC es un concurso para pasar a... Aquí hay un concurso para pasar a la universidad. No, porque la universidad es un derecho y es la diferencia. Université, c'est un droit. Grande école, c'est un privilège. Por eso también es muy... Es muy caro y es muy, tiene mucho prestigio, porque esto no es un derecho, esto es un privilegio. ¿Ok? Entonces, como decía, hay concurso. Ahora, para ser profesor de escuela en Francia, es en la universidad, entonces uno hace la licence y luego hace una cosa que se llama MEF, Métier de l'enseignement, y no sé qué significa, EF, es MEEF. El primer año, el M1 es para pasar el concurso de profesorado. Si pasan el concurso, pueden hacer el M2. Si no lo pasan, no pueden. Y en el M2 les dan como una formación básica de ser profesor y luego los sueltan así como, vaya, vaya, de clase, aunque no sepa. Es súper duro. Por eso en Francia hay mucha falta de profesores porque la carrera no es muy atractiva. Entonces, por eso digo que no es muy buena. Pero, si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Hay mucho trabajo. Si tienen la pasión, porque eso es un trabajo de pasión. Y lo pueden hacer. Yo por lo menos no quiero, gracias. Pero se puede hacer. Y ser profesor es un es una Master 2. Y luego ya se tienen, la ventaja es que son funcionarios y funcionarios no pueden despedirlos tan fácilmente. Trabajan para el Estado, tienen trabajo fijo y seguro. Ok, bueno, je me suis trop étalé. Me explayé demasiado. Ah, y olvidaba, si están en una école de commerce, pueden hacer una especialización como un MBA, que es un Bac plus 6. Y si quieren hacer un doctorado, tienen que tener un acuerdo, no sé cómo hacer, pero yo sé que, por ejemplo, hay École de Commerce que tienen doctorados, pero funcionan diferente. Andrea Saler, digamos que un profesor en Ile-de-France, bueno, en Francia se gana más o menos 1.800 euros. Cuando tiene primas,
Y en Île-de-France, eso no es nada. Île-de-France es muy caro, muy, 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 muy caro. Entonces, en Île-de-France es más o menos. En ciudades más pequeñas puede funcionar muy bien, pero en Île-de-France no. Ok. Donc, je disais, il y a d'autres organismes CFA, Centre de formation en alternance. Ahora le digo que es la alternance. Il y a les chambres de métiers, es como el SENA, que son trabajos muy técnicos, pero ojo que en Francia hay supremamente falta de muchos técnicos en muchas áreas y trabajos que pueden pagar muy bien, por ejemplo, el boulanger, el panadero. Eso se hace en una chambre de métier y en los panaderos, bueno, tienen una vida muy sacrificada porque se levantan a las 2 de la mañana, tienen que trabajar, bueno, pero pueden ganar muy bien. Les boucher, los carniceros, en Francia hay falta de carniceros y también pagan súper bien. Voilà. Et il y a d'autres types de structures, d'institutions qui font l'éducation. Il y a d'autres types de structures qui donnent diplômes, plus ou moins, par exemple, un CAP qui est moins qu'un bac. C'est pour la gens qui n'a pas eu son bac. C'est très technique, mais très technique de travaux qui pagan le SMIC, qui est le salaire mínimo, ou quizás un peu plus. Están los DU. Diplôme universitaire, qui est un équivalent de L3. Están los DUT, qui est un équivalent de L2. Pero es gente que o va a hacer especializaciones y va a hacer más en su vida, entonces hacen más estudios, o que se quieren quedar en un nivel técnico, que también puede ser muy cómodo y también hay técnicos que ganan muy bien su vida. Ok, très bien. Je continue parce que ya. Éléments d'étude, ça c'est très important, ce que je vais vous dire. Très très important. Il y a la formation initiale qui consiste à une continuité académique normale, c'est-à-dire vous finissez le bac, immédiatement vous allez à la fac. Vous finissez le L3, immédiatement vous allez à un master. Vous finalisez le M2 et immédiatement vous allez en doctorat. Ok? Ça, c'est la formation initiale. C'est comme le normal. Lo que uno sale de uno y de una con el otro. Y es estudiar, estudiar, estudiar. Ok? Il y a la formation continue. Attention! La différence entre formation initiale et formation continue, c'est que la formation continue suit une expérience professionnelle. Uno primero trabaja y luego sigue estudiando. Por eso se llama formation continue. Ok? Y ojo que a mí no me, yo no lo sabía, pero casi a mí me tocó pagar el primer año cuando llegué, como era reprise d'études, retomar estudios, me tocó pagar más porque algunas universidades hacen pagar por formación continua. No era mucho, fueron como 500 euros más, pero 500 euros cuando uno no cuenta con ellos es una plática. Y eso fue hace 10 años. No, sí, 10 años. Ojo con, traten de mirar y vean bien que sea formación inicial, formación continua, y si es en formación continua, si ya tienen una experiencia laboral, les puede costar un poquito más caro, pero cuenten con, él, con esa plata para que no los tome por sorpresa como a mí. ¿Ok? Y finalmente, hay la formación profesional, que es la formación en entreprise. Hay empresas que le pagan a uno máster o cursos, y eso es la formación profesional. ¿Ok? Maintenant, on va appliquer un peu, hein? Experiencia la toman si es en Francia solamente. ¿Qué experiencia? ¿Para saltarse años o para cuando uno hace formación continua? Andrea. Udrea. No sé si te llamas Andrea.
Porque si a mí me la tomaron siendo que venía directamente desde Colombia para hacer el máster para la formación continua. Y si van a hacer una validación desde aquí de la experience, que es la que les permite saltarse años y pasar directamente el 1 a el 3, no importa. Para las dos, fíjense bien. Sí, Andrea, te llamas Andrea. Fíjense bien con la universidad. A veces, cuando les preguntan si tienen estudios, digan que son menos de 2 años, entre final de estudio y retomo de estudios, porque ese fue mi problema, tenía más de 2 años de espera. Y si van a hacer un VAE, el VAE, como a mi amigo, les permite saltarse 2 años. Y llegan directamente al L3 o al M1 o directamente al M2. ¿Ok? Esa es una muy buena opción, pero ojo, tienen que justificar todo con cartas, con certificados, etcétera, etcétera, todo traducido, ¿no? Ok. Maintenant, je vais vous présenter trois profils. Espero que en 20 minutos podamos hacerlo. ¿La tiene que ver en los programas? Ojo. Creo que sí, porque si uno pasa cierta edad, ya pasa directamente si uno pasa como los 28 años, pasa directamente en continuo. Aquí se considera que 28 años ya uno tiene experiencia. Je vous présente trois personnes. Et on va voir le parcours. Que je quiero que vean el parcours, el recorrido que tienen. Y yo sé que hablan muy rápido, pero quiero que tomen las palabras clave. Prepa, master, licence, diplôme, etc. ¿Ok? Donc là, normalement, on est en live. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live métier dédié au métier de l'ingénieur. Comment devenir ingénieur? Qu'est-ce qu'un ingénieur? Quel parcours faire pour devenir? Bonjour tout le monde. Oh, c'est super. Vous nous entendez bien? Top. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Louise, Christophe, Marie-Camille, Clément et Édouard, qui ont tous des parcours très différents et très intéressants. Je vais les laisser se présenter et ensuite on va parler du thème qu'est-ce qu'un ingénieur et quel parcours faire pour devenir ingénieur. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les mettre dans le chat, bien évidemment. Et comme d'habitude, pour ceux qui étaient là, on prendra un temps pour faire une grande FAQ et essayer de vous aider le mieux possible. Voilà. Est-ce que Louise, tu veux commencer par te présenter, raconter un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie et, Oui, voilà. avec plaisir. Alors, du coup, moi, c'est Louise. J'ai 27 ans. J'ai fait des études d'ingénieur, donc en passant par 2 ans de prépa. J'ai fait prépa à PTSI. Et ensuite, j'ai intégré Télécom ParisTech, qui est une école d'ingénieur donc à Paris. Enfin, à Paris initialement, et maintenant, c'est sur le campus de Saclay. Je sais pas si vous savez, mais beaucoup d'écoles d'ingénieurs vont sur le campus de Saclay en ce moment pour former un grand ensemble d'écoles d'ingénieurs plus puissantes. Et moi, je me suis spécialisée pendant mes études en data science. Alors, j'imagine que vous savez pas forcément ce que c'est que les data science, mais globalement, vous savez, j'imagine que vous êtes très sensible. Bon, on a écouté Louise. Después ella empieza a hablar de su recorrido y empieza a explicar lo que hace. Mais est-ce que vous avez compris quel est le parcours de Louise? Bonjour, Jeannette. Quel est le parcours de Louise? Quel mot-clé vous avez compris du parcours de Louise? Yo sé que Luis habla muy rápido, yo lo sé, pero por eso les dije, hay palabras clave que quiero que escuchen, ¿eh? Él ha parlé de prepa, ok. Recuerden, prepa es preparación para ir a une grande école. Son 2 años y equivale a M2, porque une grande école es a partir de perdón, L2, L, de licence, ¿eh? Y después uno hace L3, M1, M2 y sale con un diploma de grande école o de ingeniero o de comercial, etcétera, etcétera.
Est-ce qu'elle a parlé de fac? Oh, tac, tac. Je vais les laisser se présenter. Et ensuite, on va parler du thème « Qu'est-ce qu'un ingénieur ?» et « Quel parcours faire pour devenir ingénieur ?» On va essayer de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les mettre dans le chat, bien évidemment. Et comme d'habitude, pour ceux qui étaient là, on prendra un temps pour faire une grande FAQ et essayer de vous aider le mieux possible. Voilà. Est-ce que Louise, tu veux commencer par te présenter ? Raconter un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Voilà. Oui, avec plaisir. Alors du coup, moi c'est Louise, j'ai 27 ans. J'ai fait des études d'ingénieur, donc en passant par 2 ans de prépa, j'ai fait prépa à PTSI. Et ensuite, j'ai intégré Télécom Paris Tech, qui est une école d'ingénieur donc à Paris, enfin à Paris initialement, et maintenant c'est sur le campus de Saclay, je sais pas si... Ok, donc on a entendu les mots-clés. Alors maintenant, on va voir Edouard. Me voy a saltar el video porque es super largo. Tac, tac. Ok. Super, merci beaucoup pour ton retour. Est-ce que, Edouard, tu veux partager ton expérience? Oui, donc moi, c'est Edouard. Bonjour à tous. Moi, j'ai fait des écoles d'ingénieurs en agriculture et agronomie dans une école post-bac, donc c'était 5 ans d'études à Toulouse. Voilà, donc j'ai fait ça, spécialisé plutôt dans distribution alimentaire. J'ai travaillé voilà d'abord chez Auchan. Après l'étude d'ingénieur, moi j'ai continué, j'ai fait une école de commerce, donc j'étais à l'ESSEC qui est à Cergy-Pontoise. J'ai fait 2 ans là-bas. J'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire, donc dans les entreprises de groupe Bongrain qui fait une bonne partie des fromages que vous avez dans vos rayons. Après, je suis rentré dans la restauration rapide où j'ai travaillé comme directeur de restaurant et puis directeur régional chez d'abord Prêt-à-Manger qui est une marque anglaise et puis Five Guys qui est une enseigne américaine. Et enfin, en fin d'année, j'ai arrêté et j'ai rejoint l'entreprise familiale qui est une entreprise agricole basée à Nîmes et j'ai lancé avec mon frère une gamme de boissons sous la marque Fit. Ok. Quel mot-clé a utilisé Edouard ? Quel mot-clé a utilisé Edouard ? Il a fait une spécialité en distribution alimentaire. Il a fait une école d'ingénieur. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Edouard? Il est allé à une école de commerce. Edouard, il a fait une école de commerce. Très bien. Bon, très bien. En gros, oui, c'est des parcours... des formations. Ok. Et maintenant, on va écouter Clément. Vraiment anticipé. En fait, après mon bac, j'ai fait... Attends. Ah. Craig est en YouTube. Donc là, normalement, on est en live. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live métier dédié au métier de l'ingénieur. Ok. À ton tour, Clément. Allez. Du coup, moi, je suis devenu ingénieur sans l'avoir vraiment anticipé. En fait, après mon bac, j'ai fait donc un bac S. Mon bac, je savais pas trop ce que je voulais faire et je voulais faire aussi bah, pas que de la théorie. Et la prépa me tentait pas du tout. Et je me suis dit, je voulais quand même faire des formations qui m'ouvrent aussi les portes de l'ingénierie si je voulais. Donc, je me suis orienté vers un DUT dans la thermique et dans l'énergie. Et toujours après ce DUT, qui était très très bien, je me suis dit, bah, je suis pas encore sûr de ce que je vais faire, je vais essayer de me donner un peu de marge encore. Et donc, j'ai fait une autre année, donc une prépa ATS en 1 an, où là, j'ai fait purement de la théorie pour un peu monter mon niveau en sciences.
Et c'est qu'après cette année de prépa ATS que j'ai pu rentrer dans une école d'ingénieur. Et là, encore une fois, le choix était très vaste. Et j'ai voulu faire une formation généraliste pour avoir beaucoup de possibilités. Mais aussi, bah, je voulais déjà commencer à travailler. Fin d'année, j'ai arrêté et j'ai de la production. Cambio la velocidad. À ton tour, Clément. Allez. Du coup, moi, je suis devenu ingénieur sans l'avoir vraiment anticipé. En fait, après mon bac, j'ai fait donc un bac S. Pour mon bac, je savais pas trop ce que je voulais faire et je voulais faire aussi, bah, pas que de la théorie. Et la prépa me tentait pas du tout. Et je me suis dit, je voulais quand même faire des formations qui m'ouvrent aussi les portes de l'ingénierie si je voulais. Donc, je me suis orienté vers un DUT dans la thermique et dans l'énergie. Et toujours après ce DUT, qui était très très bien, je me suis dit, bah, je suis pas encore sûr de ce que je vais faire, je vais essayer de me donner un peu de marge encore, et donc j'ai fait une autre année, donc prépa ATS en un an, où là j'ai fait purement de la théorie pour un peu monter mon niveau en sciences. Et c'est que après cette année de prépa ATS que j'ai pu rentrer dans une école d'ingénieur. Et là, encore une fois, le choix était très vaste et j'ai voulu faire une formation généraliste pour avoir beaucoup de possibilités. Mais aussi, bah, je voulais déjà commencer à travailler. Moi, j'ai fait mon cursus d'ingénieur en apprentissage. Ça m'a permis pendant 3 ans d'être à la fois en entreprise et donc à la fois en école. Et c'était une expérience qui était vraiment enrichissante. Ça, comment dire, ça change du contenu purement scolaire. Là, j'étais vraiment en face des problèmes avec mon entreprise. Voilà, il parlait très, 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 très vite. Je posais la mitad de la velocidad, espero que hayan entendido. Il parle de bac, déjà. Il parle de prépa. Il parle de DUT. DUT, recuerden que yo les había dicho que hay un diploma tecnologique, c'est le DUT, que es como un prépa, pero es para ser más técnico y luego la gente hace más estudios y sirve también para pasar a ser ingeniero, un DUT. ¿Ok? Mais finalement, il a fait une école d'ingénieur. Voilà. Donc, je vais vous présenter 3 CV. ¿Ok? CV, c'est curriculum vitae ou hoja de vida. Je vais vous présenter 3 CV. Vous allez me dire quel CV correspond à Louise, quel CV correspond à Edouard et quel CV correspond à Clément. OK? Formation. Institut de Chartreux, Bac S. Institut international de l'énergie nucléaire, DUT Énergie. Lycée Lamartinière, Prépa ATS. Eunise, ingénierie climatique en apprentissage. Université Gustave Eiffel, master marketing et design. Expérience professionnelle, Impala. Impala es una página que ayuda a la gente a escoger bien su carrera porque aquí es todo un arte. Y es de hecho las que hacían la transmisión. Ingénieur d'affaires. Ok, ¿a qui correspond ce CV? À Louise, à Edouard ou à Clément. Regardez les mots-clés. Bac S, scientifique. Recuerden que habían visto con Alejandra que hay diferentes tipos de bac. Aquí se especializa uno desde el lycée. Cuando uno entra al lycée, es decir, a la media vocacional, que era en mi época de 10 y 11, aquí uno es súper especializado. Alors, Marie nous dit Clément, Camila nous dit Clément, Hugo nous dit Clément, Anna nous dit Clément. Ben oui, c'est Clément. Pourquoi?
Clément a fait un bac S, un bac scientifique, el diploma de bachillerato científico. Hein. Recuerden que todo es bac, bac es cuando tienen el grado de bachillerato, y luego está bac plus, bac plus, bac plus. Y todo es post-bac, es decir, después del bac. Après, il a fait un DUT, un thermique énergie. OK. Après, il a fait une prépa ATS. Eso quizás no lo escucharon porque lo hice súper rápido. Y ATS es... Oh, là, là. Yo había anotado todo. ATS es un bac que hace las veces de una prepa. Perdón, es un bac. Es una... Es un prepa que hace la, como la nivelación para pasar a una escuela de ingeniería. Para los que no son ingenieros, sino que son técnicos. Eso es, lo, eso es una ATS. Aquí los franceses adoran las siglas, así que a veces uno ni sabe qué es, pero bueno. Après, il a fait l'ingénierie climatique en apprentissage. Ojo, que eso es un concepto muy, muy importante. En apprentissage. Et puis, il a fait un générique climat, un master marketing. OK. Formation. École d'ingénieur, génie de gestion, agroalimentaire. Et puis, école de commerce. Avec l'expérience professionnelle. Me faltó una que era Auchan. Los que están en España entenderán al campo. Es una, tiene, es una cadena de supermercados como Carrefour, como Casino, que son los dueños del Éxito, por ejemplo. Il a travaillé chez Bongrand, chez Prêt-à-Manger, chez Five Guys et maintenant chez Fit. C'est qui? Marie nous dit que c'est Edouard. Rosa, bien en espagnol, nous dit que c'est Edouard. Mot-clé, école d'ingénieur. École de commerce. Finalement, formation, classe préparatoire PTSI. C'est un type de prépa pour un type d'ingénierie. Puis, école d'ingénieur Paris Télécom, spécialité data science. Et puis, bon, ça ne l'a pas vu, mais elle a travaillé chez SoundCloud et chez une entreprise qui fait l'aide à la gestion des associations. Claro, es porque él nos dice que él hizo muchos, muchas vueltas y él hizo una cosa, luego hizo la otra. Entonces, es, por eso es que son 7 años. Pero ojo que 2010 es el BAC. Y es, él hizo una école d'ingénieur, que es un BAC plus 5. Y él hizo una, un año más de prepa y él hizo un año más de máster en marketing. Por eso son 7 años en lugar de 5. Eh bien, c'est bien Louise qui a fait classe prépa, école d'ingénieur, point. OK, très bien. Antes de que terminemos, tenemos 2 minutos. Concept clé. Prépa ou école préparatoire? C'est la préparation au concours des grandes écoles. Eso es lo que habíamos visto, lo que yo ya les había dicho. Es como un nivel BAC plus 2 y los prepara para las grandes écoles. L'alternance, c'est une formation qui mélange temps de travail et temps de cours. Et c'est un type de formation muy, muy usado en Francia. Es muy, da mucho valor a la hoja de vida. Si ustedes dicen que estuvieron en alternance, eso les da mucho valor. Porque es temps de travail plus temps de cours. Es tiempo de trabajo y tiempo de curso, que es lo que hizo Clément. Él hizo su ingeniería, la hizo en aprendizaje. Él dice aprendizaje, pero aprendizaje es un tipo de alternancia. Entonces, aprendizaje o formación inicial, c'est pour les moins de 29 ans. OK? Clément, il a fait le génie climatique et je ne sais pas quoi, un apprentissage, c'est-à-dire
alternant temps de travail, temps d'études. Il a fait un il existe aussi les contrats de professionnalisation. La différence, c'est l'âge. Ok, apprentissage, c'est pour les de moins de 29. Y contrat de profesionalización es para los de más de 29. Y tiene, es más exigente porque es para gente que tiene experiencia. Y último, que ya se nos acabó el tiempo y solamente para darles algunas palabras, que era la última diapositiva. UFR es un departamento académico, eso lo van a ver en todo lado. La BU es la Bibliothèque Universitaire. El RU es el restaurant universitaire, es muy barato. Para los estudiantes solamente. El CRUS, se me fue una letra, es con una O. El CRUS es la administración de, la de las residencias universitarias, de los restaurantes universitarios y de las becas, de bourse, bourse, beca, ¿ok? Y la DAE es la validación desde aquí de la experiencia, es lo que les permite saltarse años de formación. Bon. 1h30 de cours. J'espère que vous allez bien profiter des informations et on se voit mardi. Ojo que nos vemos el martes porque el jueves me voy para Lyon para la Fête de Lumière. Recuerden, el BAE les permite saltarse años de universidad. Bon, au revoir, merci beaucoup et on se voit mardi.